Bonsoir chers téléspectateurs, un immense plaisir d'être avec vous ce soir. Je suis votre excellence, l'excellence de l'ambassade Beuze en or. Alors aujourd'hui, on aura des merveilles. Hein. Vraiment, comme vous le savez, dans Beuze en or, c'est votre émission. L'émission vous appartient et on vous dit Mbolo Samba. Je vais pouvoir inviter l'ambassadrice Fée, avec qui on va débriefer sur un certain nombre de choses. Et après, nous allons inviter nos excellences qui nous ont retrouvés ce soir et plein de surprises, surtout pour tous ceux qui sont malades. Vous allez avoir ce soir un invité particulier qui vient d'ailleurs et les SMS sont là pour vous. Donc, vous avez un problème, vous êtes malade, vous avez ceci, vous avez cela, vous avez la possibilité en quelques minutes de pouvoir intervenir et vous allez voir ça en live. C'est-à-dire que la guérison est un appât, est un atout pour toi qui est en train de suivre en ce moment. Vous êtes nombreux d'OIM, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre du Gabon. Chers téléspectateurs, NFANJ est là ce soir. Voilà, ambassadrice, fait. Honneur à toi, femme noire, femme africaine, femme gabonaise. Fierté de te recevoir sur le plateau. Din, 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 din. Ah, comme d'habitude. Bonsoir. Bonsoir, ambassadrice. Ça va? Oui, ça va, merci. Alors, on s'installe. J'espère que ça va. Ça va très bien, merci. Une bonne semaine. Très bonne. Et une semaine qui est en train de s'achever aussi. Bien aussi. Alors, on va parler des news du net. L'argent, un élément fort. C'est-à-dire, même si quelqu'un est en train de mourir, en fait, c'est ce qui me dépasse. Même si quelqu'un est en train de mourir, est-ce que dans son cheminement de la mort, il fait un rêve que son gain est en train de partir et là, il faut qu'il se réveille pour récupérer son gain. Donc ça, c'est ce soir qu'on va voir ça fait. Oui, on va voir ça. Est-ce qu'il était réellement endormi aussi? C'est cette question qu'on va se poser. Malade ou pas, on ne sait même pas trop. Donc, on va regarder ce qui suit, chers téléspectateurs, et ensemble. Surtout, ne riez pas, parce qu'on ne sait même pas si la personne est décédée, elle est malade ou dans quel état elle va réagir. Suivons tous ensemble. Donc vous voyez, fait. C'est-à-dire que... Attends, elle avait ça entre les mains. Non, l'argent était genre, tu vois, elle a mis le pagne. Entre le pagne. Voilà, donc elle a attaché le gain dans le pagne. Elle a su que c'est tombé, elle est allongée. Et non, elle ressent comment la chose tombe. Donc quand le gain tombe, pas. Elle ressent ça. Et du coup, elle sent que quelqu'un va prendre son gain. Elle se relève. Elle se relève. Bon, vite, la question c'est, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle était dans un coma? Dans quel état elle était? Ben non, elle n'était pas malade parce que ça prouve qu'elle n'était pas du tout malade. Elle n'était même pas endormie. Hé, le gain. En même temps, l'argent est tombé et elle a sursauté du lit pour ramasser les sous. Bon, si Joël te dit tout de suite que tu viens de faire tomber tes 20 000 là, Tu vas quitter l'émission, là, vous allez jeter la... Voilà, donc c'était l'humour avec vous. Chers téléspectateurs, je vais vous annoncer quelque chose qui va vous faire plaisir. Sachez que le jeudi, on va l'appeler le jeudi fou. Donc, même vous qui êtes à la maison, rions ensemble. Le rire fait du bien. Et d'ailleurs, ce soir, ensemble... Nous allons rire avec un artiste gabonais international que vous connaissez. Lui, c'est Sagat. Féman, Bonman, tout ça, on va découvrir tout à l'heure. Alors, fait la question du jour. La question du jour, citez le mot le plus long en français. Citez le mot le plus long en français. Oui. Donc, c'est au numéro qui s'affiche sur votre écran, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité en ce moment de citer le mot le plus long. C'est quoi le mot
Le plus long, ben A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, on ne sait pas. Maintenant, avec vous, on va découvrir, hein, ambassadrice, le mot Le plus long en le français. plus long. Donc, pendant l'émission, vous avez la possibilité d'intervenir et nous allons évidemment aller dans ce qu'on appelle les astuces. Les astuces, c'est la santé, papa. S'il vous plaît, suivez bien les conseils qu'on vous donne dans Besançon. Et là, c'est avec l'ambassadrice fait après la transition. Connaissez-vous Besançon d'encre? C'est une émission qui passe sur Télé Africa au canal 321 sur Canal+ et sur sa page Facebook Télé Africa Live. Besançon d'encre, c'est l'ambassade qui distribue les visas d'opportunité de communication. Alors, connectez-vous. On parle des astuces aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits de l'eau dans le corps humain. Donc, boire de l'eau, consommer de l'eau pour ceux qui n'aiment pas boire de l'eau. Excellence, est-ce que vous buvez de l'eau? Moi, je bois, oui. Bon, tu me poses une question directe comme ça. Quand tu veux me poser une Ben question oui, comme je ça, toi demande de aussi. temps en temps. Hein? Est-ce que vous consommez de l'eau ou bien vous levez seulement le coude avec Je sais le que corps estival? Tiffen, elle est là-bas. Elle regarde. C'est le combat avec elle. Papa boit 1,5 litre d'eau au moins la journée. Je lui dis toujours, bon, un verre, ça va. Là, elle Une va me verre d'eau le donner. Là, tu matin. viens de te rallier à elle. Là, tu lui donnes raison. C'est pas bien. Même un verre d'eau le matin, la journée comme ça, il faut boire Quand je vais beaucoup rentrer, d'eau. c'est le combat. Il va dire, ah, tu n'as pas fait l'émission et toi-même, tu ne bois pas de l'eau. Bon, ben. On a dit boire de l'eau permet de chasser les toxines et d'accélérer le renouvellement circulaire le renouvellement circulaire sanguin dans le corps. Donc, consommez de l'eau. Ouais, c'est important. Consommez de Là, tu fais la pub de l'eau. l'eau. Non, je ne fais pas la pub de l'eau. Juste que buvez de l'eau. On a besoin d'eau chaque jour, tous les jours. On a besoin d'eau, que ce soit pour se laver, que s'alimenter en eau. Donc, juste après, nous allons regarder la vidéo. C'est tellement vital qu'on ne peut s'en passer et espérer vivre. Les habitués du désert en savent long sur le sujet. Dans bien des cas, des personnes pourraient boire de l'eau pour résoudre un problème de santé plutôt que s'abreuver de médicaments. L'eau ne fait pas que nous maintenir en vie, elle nous apporte une qualité de vie et nous pouvons découvrir comment grâce aux nombreux bienfaits de l'eau que nous révélons ici. Réduction du stress. Quand on parle de stress, on pense spontanément au rythme de vie, aux exigences des relations et aux différentes pressions que l'on subit au quotidien. Mais on ne pense pas à notre consommation d'eau et on est loin de s'imaginer que bien s'hydrater peut faire une différence. On pense plus facilement aux exercices de relaxation pour remédier au stress. Si vous voulez prévenir le stress, songez désormais à mieux vous hydrater. L'eau contribue à un bon fonctionnement du cortex. Ce dernier se retrouve dans le cerveau. Lorsque notre corps se déshydrate, le cortex émet un signal et se met en état de stress intense. Amélioration de la digestion et prévention de la constipation. Il est souvent dit que l'eau perturbe la digestion. Cependant, cette affirmation est peu fondée car l'eau fait partie intégrante du processus de digestion. En fait, les sucs digestifs contenus dans les intestins sont composés d'eau en grande partie. Et même la salive, qui agit sur la nourriture et qui fait que le processus de digestion commence dans la bouche, est composée de 99% d'eau. Alors, tout au long de la journée, il est primordial de veiller à rester très bien hydraté pour soutenir la production de sucs digestifs et s'assurer une excellente digestion. En permettant une meilleure digestion, boire de l'eau contribue par là même à éviter la constipation. En plus de la consommation d'eau, il est aussi nécessaire de manger beaucoup de fruits, légumes et grains entiers. Ils contiennent les fibres qui sont nécessaires pour des selles régulières. Réduction de l'assèchement des muqueuses. Vous avez constaté qu'à votre réveil, votre haleine est moins fraîche. Eh bien, cela est dû au manque d'hydratation lorsque vous dormez, ce qui entraîne un assèchement total de vos muqueuses. Consommer au moins 1,5 litre d'eau par jour permet une bonne hydratation de la bouche. Cela permet aussi de limiter le développement des bactéries buccales et d'éliminer aussi les toxines accumulées. Lubrification des articulations. Les articulations et le cartilage environnant sont lubrifiés et amortis par le liquide synovial. Le but est d'éviter le frottement douloureux des os. Étant donné que l'eau est une composante du liquide synovial, une hydratation adéquate est nécessaire pour que la membrane de synovie de chaque articulation parvienne à créer ce fluide protecteur. Hydratation du corps et bonne mine. Savez-vous que la peau est le plus grand organe du corps? Une bonne hydratation fait beaucoup de bien à la peau.
une grande consommation d'eau contribue à une meilleure hydratation de la peau, non seulement en surface, mais aussi en profondeur. Un avantage d'une peau mieux hydratée est qu'elle devient aussi plus jeune et lumineuse. Pensez à boire 2 à 2,5 litres d'eau pour une hydratation optimale de votre peau. Quant au type d'eau qu'il conviendrait de boire pour obtenir les résultats désirés, inutile de vous prendre la tête avec l'eau en bouteille, qui d'ailleurs multiplie les déchets plastiques. L'eau du robinet ou l'eau filtrée d'une fontaine font parfaitement l'affaire. Voilà, de retour sur ce plateau, l'eau est une source importante. Importante pour la santé. C'est important consommer de... Consommer assez d'eau durant la journée. C'est avec l'eau là que tu as lavé tes cheveux là. Mais tu as une belle coiffe. Merci tu beaucoup. As une coiffe africaine, c'est bien. Des téléspectateurs réagissent. On va déjà dire anticonstitutionnellement, c'est Bitégué Romuald depuis OIM. On va rapidement dire ça. Le mot le plus long, anticonstitutionnellement, il n'a pas dit. Le mot le plus long, anticonstitutionnellement, dites là où vous nous appelez, s'il vous plaît. Votre nom, peut-être que saluer quelqu'un, c'est important, et également peut-être dire un mot en langue vernaculaire. Le mot le plus long, c'est anticonstitutionnellement, signé Clémence. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous allons évidemment faire une belle entrée d'un artiste que vous attendez. Lui, c'est F-A-N-G, The Golden Man. Alors, je vais devoir me lever pour le recevoir, si tu veux. On peut le recevoir ensemble. C'est un artiste gabonais, artiste international, que les Gabonais connaissent. Et là, aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on l'a vu et on va le recevoir aujourd'hui. Alors, chers téléspectateurs, c'est... Non, attends, oh. Non, ça dit... Non, viens d'abord, je te montre. Donc, pendant que je parle, quoi, tu rentres d'abord, Donc, voilà, c'est FANG que vous connaissez. Non, donc là, maintenant, tu retournes parce que ça, c'est pas normalement l'entrée. Pour te recevoir, c'est pas comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est... Cher téléspectateur, toi, tu fais... Tu vois, non. Cher téléspectateur, nous allons pouvoir recevoir... Un peu comme à l'église. Cher téléspectateur... Oh, là, tu casses le mouvement. Chers téléspectateurs, voilà, chers téléspectateurs, nous allons pouvoir recevoir un artiste gabonais, international. Lui, c'est le phare, on l'appelle F-A-N-G, The Golden Man. Wouh! Hein, on fait comment? Big up. Non, mais on fait comment? Donc, normalement, comment tu embrasses? Maintenant, l'homme, mets-toi là, on va voir. Donc, non, quand tu me salues, c'est comment c'est? Mais non, souvent, c'est comme le voilà. Comme ça, quoi. C'est le big up, en fait. Oh, ça, c'est super. Tu sais, les rappeurs, ils sont très familiers, famille, en fait. Oui, oui. Donc normalement... Ce geste-là, c'est vraiment un geste de famille, de solidarité. Bon, fais un truc rapidement sur Buzz en or. Improvise un truc sur Buzz en or. Là, les gars sont en train de te suivre, ils attendent. Ils m'ont tellement fait le bruit, mais F-A-N-G, on a vu Bapunga, on a vu Créole, on a vu Rodzeng, on a vu pratiquement. Mais F-A-N-G passe quand j'ai cherché. D'accord, c'est pas la peine de question, votre dame. Chandel, non, oui, tu connais. Il faut qu'on retrouve Buzz en or dedans, Télé Africa dedans, oui. Comme le rap et moi, on fait la merde en temps de guerre, on n'est pas la merde, il peut tuer quelqu'un, peut le terre, mais le Buzz en or est là et on aussi est là. Non, si on, quand on te tape comme ça, maintenant la femme, on fait comment? Non, la femme, c'est le bisou. La femme, c'est le bisou. La femme, c'est le joyau, tu vois. Donc, le truc. Je profite. Voilà, la femme, c'est quelque chose qu'on. Alors, on va s'installer. Merci de bien. Avoir répondu à l'invitation merci à vous. De Buzz en or. Maintenant que tu te retrouves dans Buzz en or à l'ambassade, comment tu te trouves très rapidement? Ben, le plateau, il est super. Il y a longtemps, je suis arrivé à Télé Africa. Il y a eu vraiment beaucoup de changements. Le plateau, il est comme chez les autres. Hein. Franchement, j'aime. J'aime surtout les photos de moi sur l'extrémité. Ça, ça sent la considération. Voilà, quoi. Tu vois, ça, c'est notre merveilleuse équipe de réalisation. C'est-à-dire que c'est un très beau système pour valoriser l'artiste. C'est vrai qu'on ne le retrouve peut-être pas ailleurs, mais Télé Africa est une particularité. Et Buzz en or met en avant la culture gabonaise d'ailleurs et des institutions. Ce qui fait en sorte que vous qui nous suivez à l'instant
chers téléspectateurs, vous êtes homme politique, influenceur, entrepreneur, vous avez une entreprise, vous êtes tout ce que vous pouvez avoir comme communication, Beuze en or à Téléafrica vous donne évidemment l'opportunité, sinon Téléafrica, on fait l'inverse, vous donne l'opportunité de communiquer exceptionnellement dans votre émission Beuze en or. Alors, je pense que ce n'est pas de maintenant. Téléafrica, c'est le début de carrière de FNG. La première fois que mon clip, l'affaire Kida, il passe à la télé, on est dans les fins 2004, c'est Téléafrica. Donc, c'est Téléafrica qui nous a fait, en réalité. La c'est une reconnaissance importante. Exact, exact. Et peu sont ceux-là qui reconnaissent celui qui l'a fait. Je pense C'est-à-dire communicationnellement, en fait. Je pense qu'ils ont un manque d'amour. Mais s'ils avaient, ils allaient reconnaître. C'est tout, il ne faut pas voir ça en mal. C'est juste qu'ils ont un problème ils ont un manque d'amour. J'ai envie de te poser une question qui va être une introduction. Ouais. Tu avais reçu quelque chose de Shane Braden? Non, je n'ai pas reçu quelque chose de Shane Braden, mais il avait mis mon nom dans la liste. Ce qui a fait mon mécontentement, que j'ai demandé d'enlever mon nom, parce que je considère que FANG, c'est plus de 18 ans de carrière. Ce n'est pas une publication de Facebook, on va essayer de faire les choses. Et pourquoi tu as refusé? Parce que lui, il est venu avec l'intention d'aider. Oui. Et on a rencontré beaucoup d'artistes comme ça qui ont décliné, alors que son objectif n'était pas peut-être de vous humilier. En fait, il faut revenir toujours sur le principe de la chose. Mm-hmm. Beaucoup de personnes ne voient pas la violence de Shane Braden. Ils ont juste vu la violence des FNG, parce que je suis le premier à refuser. Tu comprends? Ils ont juste vu la violence, la vidéo que j'ai faite de 5 minutes. Ils n'ont pas vu les propos violents de Shane Braden. C'était tout un processus. Parce que dans un premier temps, on parlait d'aide, des aides des artistes. Dans un deuxième temps, on disait les artistes, la majorité, ils prennent des taxis, je suis là pour les aider. Et dans un deuxième temps, on parle de partenariat, de business. Et dans un dernier temps, on parle de 80%, 20%. Donc on ne sait vraiment pas où se situer. En réalité, tu sais, quand l'intention est bonne d'aider un artiste, ça se voit. Maintenant, quand l'intention est d'élever son ego, ça également, ça se voit. C'est pour ça que j'avais dit, si ton frère, parce que Shane Braden, c'est mon frère, si ton frère te montre devant les gens qui peut te donner à manger, dis-lui devant les gens que tu n'as pas faim. C'est aussi simple. Parce que et ça, tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Avec beaucoup de courage. C'est pas une question de courage, c'est une question de principe. Mais est-ce que tes fans étaient d'accord avec ce que toi tu as eu à faire? Les gens n'ont pas compris. J'ai eu 3000 commentaires d'insultes. Et quand le premier arrivé, le fameux premier qui a le premier arrivé, il n'y a eu rien de concret. Ils m'ont tous donné raison. Parce que moi, j'ai vu ça de loin. Il faut qu'on fasse ce distinguo. Moi, je n'ai rien contre la personne de Shane Braden. C'est quelqu'un qui a de la volonté. Il fait évoluer les choses de son côté. Mais lorsqu'on implique certains devanciers du rap, il faut le faire avec la manière. Tu comprends? J'ai dit toujours que même le PDG qui est PDG, quand le PDG met ton nom quelque part, on t'appelle pour l'approbation. Tu vois? Donc ce n'est pas Shane Braden qui fera exception à la règle. C'est un enfant. On est d'accord. C'est un enfant qui est un enfant du pays. Donc qui suive la logique comme les institutions le font. Aussi simple que ça. C'est simple. D'accord. FNG de Golden Man. Pourquoi Golden Man? Pourquoi ajouter le Golden Man? Parce que FNG. Parce qu'on savait, on connaissait FNG, le bling. Mm-hmm. FNG déjà signifie littéralement Fa Nomboure Ngong, c'est-à-dire qu'enfant, quelqu'un qui épouse la philosophie des Ngong. Mm-hmm. Il faut reconnaître déjà l'Ngong qui est l'univers antique spirituel de l'enfant. C'est un peu comme la mythologie grecque. Il faut déjà reconnaître un truc, c'est que lors des communes de M16, il est d'Engon. Il est dans l'univers d'Engon. Moi, je suis un enfant qui observe le mouvement d'Engon. C'est pour ça que je pense comme eux. Donc, Fahano Bouringon, quelqu'un qui pense comme la philosophie d'Engon. Après, comme je disais, ça fait ça fait bientôt 20 ans que je suis là. Le temps est passé. À un moment, il faut se régénérer. J'ai ajouté The Golden Man, l'homme en or. En or pour le caractère, en or pour le côté altruiste. Comme besoin d'or. Comme besoin d'or, tu vois. En or pour le partage. En or parce que tout ce qui est or est vraiment proche de la divinité. Mm-hmm. Voilà, donc moi, c'est vraiment mon très lointain, tu vois. J'aime le sens du partage, voilà quoi. On ne te connaît pas assez en ton, évidemment, identité civile. Tu t'appelles Guy Assoumou Essono.
Beaucoup de téléspectateurs ne te connaissent pas en tant que Guy. Ça fait plaisir de savoir que, en dehors de FANJ est une personnalité artistique, mais Guy, c'est un père, c'est un Un père de famille, entrepreneur, c'est un. voilà, exact. Voilà. Bien, exact. Alors, un homme d'affaires, quelqu'un qui deal avec, qui deal haut, qui deal bas, Né le qui est 17 ouvert, avril exact. 1983 Ouais, 40 ans cette année. à Libreville, dans l'Estuaire, au Gabon. Activité principale, artiste, rappeur, producteur, auteur-compositeur, interprète et réalisateur. Alors on va parler, on te connaît en tant qu'artiste, rappeur, mais on ne te connaît pas en tant que producteur. Producteur, réalisateur. Producteur, réalisateur. Producteur, réalisateur, infographe, graphiste, ce que tu veux. En fait, moi, ce que je veux, ce que je fais, businessment parlant, c'est que j'évite de faire l'amalgame entre le réalisateur et le rappeur. J'évite de faire j'évite de faire j'évite de faire un mélange pour que la personne qui n'aime pas forcément FANJ ne travaille pas, dira bon non, j'ai pas travaillé avec lui parce qu'il n'est pas professionnel. Donc j'essaie d'un. C'est pour ça que je suis dans la réalisation, mais depuis des années, tu vois. Je ne communique pas parce que je me dis que c'est ce côté-là qui me rend plus professionnel. Quand moi je fais un travail de quelqu'un, même si je n'ai pas des. J'ai pas d'appréhension ou à quelqu'un, je mets le côté professionnel. C'est pour ça que je fais pas trop de com sur le côté réalisateur. Activité annexe, infographe, graphiste. Évidemment, on voit les choses sur ton corps, donc c'est sûr que. Bon, j'ai pas de tatouage. Ça, c'est le bleu. Ça, c'est le. Bon, après, c'est pas les tatouages, hein, c'est le soleil qui a fait ça. Tu as vu le bleu, Wow. moi, je Non, c'est pense. le Le soleil qui soleil. a. Oui, c'est Le le soleil, soleil. là, ne nous touche pas. C'est un soleil Tu t'es précis. levé un matin, et puis, ou bien tu t'es endormi un soir, et des Mais écritures c'est sont comme le sorties soleil, le sur chat, toi. même Gagne ça le frappe souvent soleil. chez lui, il a les voitures, là, le gain, tu vois, c'est la même chose. Anciennement FANJ, de son vrai nom Guy Assoumou Essono, né le 17 avril 1983 à Libreville, est un rappeur, auteur, compositeur, interprète, producteur, réalisateur gabonais. Il est l'un des artistes hip-hop les plus influents du Gabon, et ça, ce n'est pas à discuter, puisqu'on le sait. Il n'y a pas Elle, de. elle était encore petite, donc je ne sais pas si elle a connu FANJ Bien dans sûr. toute sa Bon, force, qui connaît pas parce que. FANJ? Dans le Qui connaît passé, c'était mon artiste. pas? Hein. En 2014, il est désigné par plusieurs médias gabonais comme l'un des rappeurs gabonais ayant été le plus diffusé. Il est également l'un des rappeurs gabonais les plus connus. Après ses diverses intégrations dans plusieurs collectifs, ce n'est qu'en 2005 qu'il se fait remarquer et signe. La même année, son premier titre officiel, l'affaire qui dit L'affaire qui daille. L'affaire qui l'affaire daille. L'affaire qui daille, produit par l'affaire Casino qui daille. produit par Casino Management Ouais, et produit Anoche. par son premier label Casino Management où il fera son premier Premier pas du rap, ça te rappelle rien. Ça te rappelle rien aux Zangué. C'est Si, Kamo, mais Casino, attends, c'est le tout début de la je chose. sais. Là, moi, j'avais mon truc là et tout ça. C'est là Mais il faut où. dire aux gens latins, c'est qu'on se connaît, hein, il faut le dire ça. C'est une amitié qui dure déjà plus de 10 ans. Hein, là, voilà. Non, mais 10 ans, non, mais 10 plus ans, de 10 ans, 10 c'est ans. beaucoup. Oui, c'est peu. C'est peu. C'est peu, 10 Pas ans, c'est dire plus peu. de 15 ans. Oui. Parce que c'est depuis quoi, 2007. 2007, exact. 2007 que lui et moi, on se connaît. Et puis, Dieu a fait en sorte qu'aujourd'hui, il soit sur notre plateau. Voir des gens à la télé et le voir en live comme ça, fait, est-ce que ce n'est pas un honneur, même toi-même? Ah si, c'est un. Mais je ne suis pas loin. Quand tu dis j'étais toute petite, je n'étais pas petite. Faut jamais dire à une femme qu'elle est petite, mon frère. Pourquoi les femmes n'aiment pas? Non, parce que la femme, en général, la femme, elle a toujours 10 ans de plus que l'homme. Ouais, elle a une maturité. Tu sais, quand tu as 25 ans, pour une femme, tu es une vieille fille. Alors, FANJ, aujourd'hui, quel est ton plus grand défi musicalement? Musicalement, mon plus grand défi, c'est de faire connaître cette jeunesse de plus en plus. Parce que moi, je fais un travail depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Je pousse les gars, je pousse les gars, je pousse même les gars plus âgés. Et c'est ce que je fais actuellement. J'ai sorti une compilation dénommée Tramdos. J'ai emmené 19 jeunes que je connaissais ni de père ni de mère, 19 talentueux. Et dans cette compilation, est sorti Le Petit et Boloko, est sorti Fetindo, est sorti El Coco,
Tu vois, donc c'est des gens, c'est des jeunes aujourd'hui qui font la fierté réellement de l'univers humain. Donc moi, c'est ça ma fierté. Comme je disais sur le partage, c'est vraiment pousser la culture urbaine à un autre niveau, au-delà des frontières, être plus connu que la Côte d'Ivoire. Donc moi, je vais être dans cette contribution. Je suis dans cette contribution. Et lorsque ça va exploser, je vais être dans le coup. Voilà. Donc, c'est mon plus grand défi. En fait. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez à FANG qui est sur le plateau. FANG, on va parler du passé pour venir au présent. Et là, on va suivre un de tes clips. Ça fait longtemps, ce clip. Il peut dater d'un an ou plus. Et tu vas nous dire d'où est venue l'inspiration de ce titre. On regarde. Mon akon konkobo akon don akon modou bam 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 ya tenya mam ta bia bo distraction kaba o ta bia bo soustraction et soyez no monte la boyo pion ka le son akon fofone dun avion bam 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 et son da ma tourna prestation akan mo fofo y mo duro ka le son. On sait qu'à Dieu fier, comme un mère, pas qu'on vienne se voir ma paix, comme un tion, qu'on a me bin, pas un tien. A Ternio, Tambour, Ingelembo, y'a pas fond sous. A peine, mais c'est qu'à ton souillon, si les bois n'y'a pas fait fous. Y'a t'y'a mon gagnant, de ma douleur pour le camion. Y'a dans un peu ma connaissance, boumim boumim boum. Et soon, la mébola table, bombe vu en soleil. Soon, t'as un année double, on sourd un wasse. Na si les années pop smoke, un comment ne pop smoke, un new ban y'a mon conga. Mi wore bi joan ne pop smoke. Y'a tenya mam tabia bo distraction. Kaba, o tabia bo soustraction. Et soyez ne monte la bo yo pion ka le son. A con, forfone d'un avion. Une telle inspiration nous vient d'où là? En général, je n'arrive pas à définir les inspirations. Je n'arrive pas à définir comment je reçois. J'arrive à définir le pourquoi je veux le faire, ce que je dis et tout ça. Je n'avais jamais fait un son 100% enfant parce que à l'époque, moi, j'ai rappé enfant. Hein. Ceux qui ne connaissent pas, j'ai rappé enfant. Je parle correctement enfant. Mm-hmm. Donc, à l'époque, j'ai rappé enfant. Mayenne. Encore. Et donc, quel est le message de ce son-là pour ceux qui... Bon, le message, c'est beaucoup plus... Le message, c'est Akon. Akon, c'est quelqu'un de talentueux. Mm-hmm. Donc là, j'exploite à 80% le talent de ce que je veux faire enfant. Parce que là, je ne parle pas qu'enfant, je parle en argot fan. Donc, il n'y a qu'un fan, un fan qui connaît bien le fan, qui peut comprendre ce que je dis. Même un gars qui comprend le fan. Tu vois, genre, oh, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a du argot. Il y a du argot fan, en fait. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que FANG est en symbiose avec le rap de la génération du jour? Oui, yeah, bien sûr. Moi, je te dis, ça fait un mois, ça fait 2 mois que j'ai sorti un son avec MHL. C'est MHL qui m'a appelé sur un feat. On a fait un banger qu'on appelle Bombay. C'est un son qui passe partout. Alors, on peut l'avoir en live, là? Avec ma voix. Mais non, oui, avec ta voix. Non, avec ta voix. Bon, mon couplet. Le truc fait Bombay, non, ton couplet, il n'y a pas de problème. Bombay. Bombay, Bombay, Bombay. Alors, mon couplet fait, c'est pas la peine, une question va te darmer. Bombay, une quai. Bombay. On fait Bombay, voilà. C'est pas la peine, une question va te darmer. Bombay. Chandelan, oui, tu connais. Bombay. Comme le rap est mort, on fait la merde en temps de guerre. Bombay. On n'est pas la merde, père, on tue quelqu'un, puis l'on Bombay. Pour le muslim, c'est le porc, hein. Bombay. Le chant est bon, ça t'étonne. Bombay, avec besoin, non, tout est Bombay, tout est Bombay. Comme le besoin, non, on fait la merde en temps de guerre. On n'est pas la merde du père, on tue quelqu'un, puis l'on terre, donc. Bombay, Télé Africa vous donne l'opportunité aujourd'hui de pouvoir suivre une émission show. Direct. On l'appelle Buzz en or. Et tout le monde avec des artistes sur le plateau. Son Excellence, c'est moi, la divine. C'est moi. Taylor, la divine. Ouais, là c'est ça, là tu as posé sa propre. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Non, on répond ici. Bonsoir, Buzz en or. Bonsoir. Bonsoir, FANG. Bonsoir. Entre Koba et toi, qui a plus vendu? Qui est plus vendu sur le net? Est-ce que tu as des feats avec des artistes internationaux? C'est Barack depuis Mwanda. Non, le passé de Koba, il est lourd. Je ne peux pas me comparer. C'est le Koba background. Hein. Mm-hmm. Quand on prend Koba,
on descend 2010. De 2010 en descendant, Koba, il est hyper lourd. Moi, je peux rien. Moi, je peux rien. Tu vois, soit carrière internationale, tout ce qu'il a fait, c'est lourd. Maintenant, le problème de Koba, c'est qu'il ne suit plus, tu vois. Koba n'est plus d'actualité. Contrairement à Koba, qui et moi, on est en guerre froide et pire ennemi, pire frère, ce qui se passe, c'est que je suis plus actuel que lui. Parce que moi, je fais des choses en 2023, je fais des bails. Je suis le gars, je suis parmi... En fait, la génération Koba, c'est FANG le plus en vue. Mm-hmm. Le reste, soit ils dorment, soit ils sont au lit, soit ils sont à l'hôpital. Ok, tu vas regarder la caméra qui est en face de toi. Yeah. Il y a ce qu'on appelle... La vérité. La vérité. C'est des images qui vont venir, tu vas nous dire la vérité sur ces personnes. Yeah. Ici, ce n'est pas la vérité, c'est la vérité. La vérité. Donc, tu vas lever ta main droite et tu vas on dire... On a dit qu'on ne joue pas en public. Hein. Non, si. Ici, à Besançon, tout ce que son excellence demande, on ne refuse pas. Très bien. En tout cas, c'est main blanche, hein, comme le parti. Donc... On dit, je jure de dire toute la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Très bien. Donc là, tu redis toi-même maintenant, seul. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Voilà, on va suivre. Première image. Tu vas nous dire la vérité sur ce que tu penses de celui-là. Eh, hey, ça c'est le... C'est ce gars, il a, c'est le gars le plus thérapeutique du monde. Il est thérapeutique. Oui, oui, il te guérit quand tu as un problème parce que tu te lamentes sur quelque chose, il va te sortir un mot qui va te guérir. Ouais, ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui, culturellement, qui est hyper avancé, culturellement. Que ça soit dans le monde urbain, tout ce qui tourne autour de la création urbaine, c'est quelqu'un qui est hyper cultivé. Mais respect. Vraiment, respect à Franck, parce que c'est quelqu'un que je côtoie au quotidien. C'est pas des choses que genre, grand, ça fait longtemps, non. Lui et moi, ça se passe pas deux semaines. On chill, on se voit, on travaille. Respect, grand Franck, respect. Merci, ouais. Bapunga. Quand tu es passé, on garde des souvenirs importants pour toi. Il a dit Franck et Bapunga, c'est deux personnes différentes. Voilà, donc on va prendre seconde image. Faustina. Faustina, très talentueuse. Faustina, c'est la seule fille rappeuse de la génération des rappeuses de l'époque qui est toujours en vogue. Elle a fait un freestyle qui a pété. Et qui est d'actualité. Je pense qu'elle est en train de faire le clip, c'est un truc de malade. Mm-hmm. Le talent que cette fille a, je pense qu'en 2023, les gens vont reconnaître ce talent. Parce qu'elle a, elle a vraiment été... Je pense que Faustina, c'est un peu la gamme de FANG. Il y a toujours étouffement, machin, mais il y a un temps pour... Elle vit toujours. Elle vit, voilà. Peu importe les... On ne peut pas cacher le soleil. Tu peux mettre le soleil dans le sac. On va toujours voir. Yeah. Alors, l'image qui suit. Oh, la senti. La senti. La senti. Bon, je veux dire quoi, senti. Bon, senti. C'est la jeune génération. C'est la jeune génération. Elle a du monde derrière elle. Moi, je dis à 100%, j'adhère parce que les gens adhèrent. Mm-hmm. OK? Mais ce n'est pas forcément un son que je vais écouter à la maison, genre pour m'inspirer ou pour passer quelque chose, pour une phase expérimentale. En fait, mais c'est un son plus... de show, quoi. C'est un son... Non, mais ça, les gens écoutent. C'est ce qui compte. Tout ce qui compte, ce n'est pas un son du show ou pas. Tu sais, la Sandy Love, je pense que dans 10 ans, elle sera considérée comme quelqu'un qui a fait quelque chose de réel. Mm-hmm. Et que ce qui viendra après sera très contesté. Parce que nous contestons déjà la Sandy Love. Ça veut dire que la Sandy Love, dans peu, elle sera considéré comme quelqu'un qui fait quelque chose de réel. Alors, l'image qui suit. Hey, Créole. Créole, c'est la seule fille qui a su se faire d'elle-même par l'outil Internet. C'est la seule go qui a compris Internet. Créole, c'est la seule go qui a compris Internet. Elle a su mettre son image en avant, ses propos. Je vous dis même qu'elle, souvent, elle va dans le côté, elle décale un peu, mais tout ça, c'est dans son marketing. Parce que si tu parles avec Créole, c'est quelqu'un qui a... Humainement, elle est fréquentable. Elle a des peines, elle a des joies, elle a des lamentations. C'est elle humaine, en fait. Fantastique. Ouais. Et tous les fantastiques, on vous dit un Mbolo Samba. Ouais, on est ensemble Samba. Avec Créole. De la part de FANG. On avance, on va regarder l'autre qui vient. Yeah, l'oiseau, c'est la star. L'oiseau, c'est la star, c'est le people du moment. L'oiseau, c'est le Koba en 2005. Il faut le savoir. Donc, toutes les personnes qui contestent l'oiseau, moi, je dirais l'oiseau,
C'est lui le vrai banger, banger boy. Mais pourquoi il est contesté? Est-ce que ce n'est pas à cause de la qualité de message? Parce que j'entends parfois des gens dire qu'il encourage les trucs, des kobolos, des choses comme ça. Il faut savoir un truc, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus nous qui écoutons, ce n'est plus nous qui dictons. Aujourd'hui, c'est mon fils qui a 14 ans, c'est sa fille qui a 12 ans, c'est elle qui a 12 ans, c'est eux les demandeurs, tu comprends? Donc, c'est eux qui font la ligne éditoriale des stars. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, quant à la qualité du message, moi, je pense qu'en tout message, il y a toujours une profondeur du message. Mm-hmm. Quand je prends un morceau comme « J'allume pas mon split », c'est vrai qu'il fume à la fin avec les juges et tout ça, machin. Pour un grand, ça va choquer. Mais en réalité, il expose une réalité. Est-ce que toi, tu peux sortir un son comme ça? Non, moi, je ne peux pas. Pourquoi? Moi, je ne peux pas, je veux le dire autrement. Je veux le dire autrement parce que je pense que ce qu'il fait, c'est de son âge. Et moi, ce n'est pas que j'ai fait trop le gars mature. Mm-hmm. Je dirais tout simplement que c'est la preuve, je n'arrive même pas à fumer devant les gens. Lui, il peut le faire. Parce que moi, aujourd'hui, comme je te dis, ça fait 20 ans. Donc, j'ai quand même des choses à faire. Moi, je prends une autre direction, tu vois. Je laisse soit à l'oiseau rare, mais dire que derrière tout message, il y a une profondeur. On va prendre une dernière. Alors, on va regarder la toute dernière. Qu'est-ce que ça te dit? J'étais pas prêt. J'étais pas prêt. Bon, moi, ce qu'on me dit, honnêtement, on m'appelle le jeune vieux. Et physiquement, j'ai encore la forme. Je remercie Dieu d'être toujours dans le coup. Je remercie Dieu de on me stimule encore au plus jeune dans les choses, on m'appelle en conseil, on m'appelle en machin, je partage. Et pour moi, c'est l'une des fiertés quand même, tu vois, de perdurer dans le temps. Parce qu'en réalité, quand j'ai commencé à l'époque, moi, je me disais, bon, j'arrive, je m'amuse, tu vois. Mmh. 20 ans après, je suis encore là. Alors, quel est ton péché mignon d'aujourd'hui, FANJ? Je ne sais pas, péché mignon. On a tous un péché mignon, mais je ne sais pas, le péché mignon. Peut-être le Jack à sec. Peut-être le simple que je boive la liqueur à sec, c'est peut-être un péché mignon. Les téléspectateurs posent la question, est-ce que FANJ est marié? Non, je ne suis pas marié, je suis en concubinage, j'ai deux enfants. Ses enfants sont des stars aussi? Non, j'ai ma fille qui fait la star, j'ai mon fils aussi qui fait son truc. Bonsoir Besançon. Bonsoir. Je salue ma famille depuis Amissa. Je viens saluer juste de Mata et ma maman Bombodo Rosine depuis Bikele et Saleko. Dombe Tempo depuis Casablanca, Maroc et ma femme Blanche depuis les kilomètres. Bonsoir Besançon. J'apprécie ton émission et je souhaite longue vie. Salut le frangin FANJ de MAF de Negro Altitude. Yeah, Negro Altitude, ça c'est la famille. Tu sais, Negro Altitude, c'est Franck là. Oui. Ça c'est l'écurie de Franck. Voilà, donc tu es chrétien, tu pries? Non, je ne suis pas chrétien, mais je suis un homme de Dieu. Est-ce que tu crois? Non, en fait. Le gars là, il est bizarre. Vous croyez qu'un homme de Dieu, c'est celui qui va à l'église chaque dimanche? Croyez qu'un homme de Dieu, c'est celui qui prie? Non. Croyez qu'un homme de Dieu, c'est celui qui parle de Dieu? Non. Nous sommes tous des divinités. Mm-hmm. Pour la preuve, nous ne sommes pas des êtres humains qui faisons une expérience spirituelle. Nous sommes des spirituels qui faisons une expérience humaine. Je ne sais pas si tu captes. Non, j'ai capté. Très profond. Parce qu'en fait, il est dit même dans la Bible qu'après notre mort, on part pour la résurrection ou pour l'incarnation. Donc ça veut dire que ce n'est pas tant l'homme qui fait une expérience humaine. Cette enveloppe charnelle, je fais une expérience là-dessus. Tu vois, c'est pour ça que je vais impacter le temps que je suis là sur Terre. FANJ, yeah. Est-ce que tu as une actu pour cette année? Oui, bon, non, pour cette 2023. Là, 2023. Non, je sors un truc dans peu. Et c'est quand? Dans peu, là, ça va sortir, tu seras au courant. Ça, c'est un truc de malade qui arrive. Il n'y a pas de concert en vue, des showcases? Les showcases, je reviens de Port-Gentil, je suis allé faire un showcase, je repars dans peu aussi parce que j'ai encore une nouvelle date. Je pense que j'ai un truc pour Mwanda et Franceville. Voilà, quoi. Donc, j'ai un, j'ai un,
calendrier assez chargé. Ça veut dire qu'on veut dire qu'aujourd'hui, FNJ est en mouvement. Oui, bien sûr. Son activité artistique, ça touche. Oui, ça touche, ça touche. Son mouvement, ça touche. Moi, c'est pas l'oiseau rare, mais ça touche. Hein. Tu aimes quand même l'humour? Oui. Tu aimes rire? Oui, beaucoup. Tu aimes beaucoup rire? Beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, on va recevoir Sagat. Le mari d'Agathe. Hein. Sagat, c'est le mari d'Agathe. C'est évidemment un artiste gabonais international, très connu, avec qui, aujourd'hui c'est jeudi, on aura la possibilité de recevoir Sagat pour quelques minutes. Alors, yeah. Sagat. Oui. Je rentre comme ça. Tu veux rentrer non, comment? Tu veux que je me lève? Voilà, chers téléspectateurs, c'est Sagat. C'est moi. Non, je pensais que quand je rentre, on devait mettre quelque chose bien là. Bien. Bon. Où c'est? Oh non, moi j'aime bien les... Oh, faut faire le big up. C'est comme ça qu'on faisait le corona à l'époque. Ça nous manque vraiment le corona. Oui. Alors, Sagat, tu es artiste, humoriste. Oui, ça c'est bien. Il n'y a pas ça à la maison. Je profite, c'est bon. Voilà. Oui. Alors, quand on parle de Sagat, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de Sagat aujourd'hui? Oh, Sagat, c'est le mari d'Agathe, comédien humoriste. Je suis là. Je ne sais pas me tuer. Je suis encore là. Pendant au moins plus de 50 ans encore. Sagat, à quel âge aujourd'hui, artistiquement? Artistiquement, je vais à bientôt 10 ans de carrière. 10 ans de carrière, c'est des choses qu'on fait. Ouais, bien. Dès que c'est 10 ans pile, on va aller... Et qu'est-ce qu'on peut retenir de Sagat? Je suis là, je ne suis pas effacé. On t'a vu dernièrement avec Manitou, où il y a quelque chose que vous devriez faire, Dibaku et toute la crème artistique. Là. Sagat, c'est, à l'époque, j'étais le bon petit de tout le monde. Aujourd'hui, je suis le frangin de tout le monde. Mm-hmm. Je suis un peu comme FNJ. Je suis au milieu, entre les grands et les petits. Bien. J'embrasse tout le monde et personne ne me refuse un service aussi. Très bien. Voilà, donc je suis la bienvenue partout. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire « j'aime pas Sagat », non. C'est comme ça que je suis rentré dans le game et c'est comme ça que je suis aujourd'hui. Même alors, sur les réseaux sociaux, je ne suis pas en haut, je ne suis pas en bas, je suis au milieu. Tu es au milieu, l'huile, ouais. Le sel, le cube, sur là, le côté. La sauce bien, qui est top là, c'est ça, voilà. Alors, tu as quelque chose à dire sur Sagat? Moi, j'ai connu avec une émission à l'époque, Taxi piégeait des gens. Oui, Taxi Sagat. C'est quelqu'un qui a des concepts assez fous. Mais en fait, moi, le seul problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a un peu arrêté la télé. Pourtant, c'est, tu sais ce qui t'a fait connaître, continue là-dedans. Oui, on cherche d'abord l'argent, comme dit le grand Boukari. Si tu cherches l'argent, c'est que tu sais où ça se trouve. Je suis un homme d'affaires, donc je fais les affaires. Je suis un businessman d'abord. D'accord. Donc, pour mélanger les deux, c'est pas facile. Voilà, donc avec mes 15 copines, donc gérer tout ce monde-là avec la télé, l'humour, c'est pas facile. Donc, mais quand même, de temps en temps, quand je peux, je pique une tête. Quand je fais, c'est un banger, 300 000 vues, et je reviens. Yeah. Voilà, faut pas arrêter, il faut continuer. tu sais que tu es une icône pour notre pays, autant que les autres artistes internationaux qui sont dans d'autres pays, au Gabon, tu l'es aussi. Je ne sais pas si tu pèses ce poids-là. Oui. Je me rappelle à l'époque de Taxi Sagat, mon collaborateur Yann Coco dans la série. Il disait qu'il était en Afrique du Sud. Il m'a dit, Joe, si j'ai fait 3 carrefours, on ne m'a pas arrêté, je te mentis. Et si c'est moi qui est le second dans la série, toi qui es l'acteur principal, mais tu viens en Afrique du Sud, tu ne vas même pas circuler. Hein. Tout le monde va te bloquer ici. Parce qu'on m'a dit, je suis jamais arrivé, on m'a dit qu'il n'y a que 2 chaînes francophones en Afrique du Sud. Mm-hmm. Euronews et TV5 Monde. Le reste là, c'est les anglophones. Donc imaginez comment le buzz qui est pour moi là-bas. Bah, j'attends qu'on me paye le billet. Voilà, je fais comme les autres. J'attends que l'État me paye le billet. Voilà. Alors, l'État a compris. Oui, voilà, l'État a compris. Alors, il y a les awards de l'humour. Tu as été nominé? Non, parce que Manitou, qui est un grand frère, n'a pas voulu serrer tout le monde. Il a pris 4-4-4. Mm-hmm. Et il m'a dit, il n'y a plus la place pour toi, je ne peux pas te mettre avec les enfants. Ouais. Donc, pour garder ton honneur,
mieux je te mets pas à la limite à la cérémonie, tu seras peut-être présentateur avec moi. Très bien. Donc là, on va rapidement avoir quelque chose de toi en direct parce que les téléspectateurs sont impatients. Ils ne font que dire faites déjà rire, faites-nous rire. Hein? Faites-nous rire, faites-nous rire. Il y a tellement de messages, vous pouvez me regarder. Seigneur. On dirait pas. Les messages d'Etel Monet. C'est peut-être Etel Monet qui reçoit. Alors, Sagat, on te suit. Non, juste Yarine a dit, bon, j'ai compris quelqu'un qui disait, il nous suit depuis Oyem. Voilà, je vais Oyem, Bita, Mildik, Meduna, lancer un message. Eh bien, t'as un bonani. Gubetina, Azona, Sagat, Anova, Anotela, Africa, Anobuz, Anor. Pas besoin en lol, ah non. Donc, non. Excuse-moi, c'est bon. Hein? Tu as dit quoi? Tu as un garçon à côté de toi, mais tu as dit quoi? C'est de l'anglais, fin, il ne peut pas comprendre. Bon, écoutez, on va se lever parce qu'on va recevoir une très grande dame. D'accord. Qui vient d'ailleurs. D'accord. Et on va demander à Sagat. Sagat, lui, va partir la chercher. D'accord, voilà. Sagat, toi tu vas aller la chercher. Non, oui. Prends tes téléphones d'abord. D'accord, parce oui. Que si ça disparaît, on ne sait pas tu vas rester à dire oh, à Beuse en or. Oh, c'est resté. Oh. Voilà. Donc toi tu vas aller la chercher parce qu'après il y a une sécurité à faire. Donc tu vas te mettre là et on va d'abord la recevoir et tu reviendras dans les quelques minutes qui vont suivre. Je fais comme aide de camp. Je voilà. Fais. Voilà, donc Fée, nous recevons une très 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 grande dame qui nous vient d'ailleurs, elle vient du Cameroun et elle vient faire des merveilles dans notre pays par le canal de Dieu. Soyez la bienvenue. Ici vous avez un artiste gabonais international, c'est un plaisir pour nous d'être avec lui et de pouvoir vous recevoir. Nous allons pouvoir prendre place à un dossier que la fée me remet. Vous êtes Sa Majesté la Reine des Montagnes. Vous venez évidemment du Cameroun, invité par l'ONG Le Fleuron d'Afrique équatoriale qui présente Sa Majesté la Reine des Montagnes, laquelle a reçu un don de guérison dès sa naissance. Ça, c'est super. Et vous êtes arrivé au Gabon pour un programme majestueux, un programme miraculeux qui va bousculer toute la nation gabonaise. Pas les « on a dit », hein, mais la réalité, le vrai du vrai, le popo du popo. Fait. On dit quoi le réel. On va vivre le réel. On va vivre le... On va vivre l'eau. Les vrais miracles. Le vrai miracle. La guérison. Alors, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent depuis la maison. Donc, moi, je me présente la reine, Sa Majesté la Reine des Montagnes. Mm-hmm. Et c'est le Forum d'Afrique équatoriale qui m'invite au Gabon. Donc, je viens, j'ai reçu d'abord un don depuis ma naissance. Nous sommes nés quadruplés à la fois, nés quadruplés. Mes soeurs jumelles étaient mortes, je suis restée la seule vivante. Et à l'âge de 7 ans, j'avais porté disparu sur les montagnes de l'ouest du Cameroun. J'entendais une voix qui m'annonçait la parole. Je me tourne de gauche à droite, je ne vois personne qui m'annonce la parole. Et cette voix me dirigeait, vas-y sur les montagnes, tu ferais des jours, des années. Je suis allée donc faire 1 an et 6 mois sur ces montagnes. Je me nourrissais de criquets et de sauterelles. Et bien alors, quand j'ai passé ce séjour, un matin, au retour de mes séjours, je vois que mes parents m'ont cherché jusqu'à faire le deuil. Ils ont cousu même les habits noirs. Ils m'avaient déjà oublié. Mais ils ont entendu que je suis dans un coin du marché, en train de faire des merveilles sur les gens. Mm-hmm. Et dès leur retour, dès mon retour, c'est comme ça qu'ils reviennent vers moi et me demandent, oh, je ne te connais pas, tu sors d'où? Ils m'ont méconnu. Beaucoup de guérisons que je donnais aux patients, c'est là où c'était étonné, c'était miraculeux, parce que je demandais toujours aux patients de faire les analyses à l'hôpital moderne afin de me rencontrer. Et lorsque le mal est mystique, j'interviens.
Donc vous n'intervenez pas quand c'est physique? Non, mystique. Mystique. Je suis spécialisée dans les cas de maladies mystiques. Les choses comme l'envoûtement, les mal des pieds, les mal des yeux, les femmes qui n'enfantent pas. L'épilepsie mystique, par exemple. Oui. La folie, ça c'est déjà ce qui est mystique. Non, pas la folie. La folie, non. Il y a les cas que j'interviens, il y a les cas que je n'interviens pas. D'accord. Les mal de dos, les mal des pieds. C'est rare de voir des personnes être honnêtes comme ça sur un plateau de télévision. Donc, c'est comme ça que partout on m'intervivait, partout on m'avait invité, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Togo, aux États-Unis aussi d'Amérique, au Canada, en France, j'ai beaucoup fait. Aujourd'hui, je suis déjà mère peut-être de 3 enfants. J'ai beaucoup fait. Tout récemment, j'étais même là. J'étais invitée par un pasteur, un prêtre. Mais paraît-il que nous, on ne s'est pas entendu. Je suis retournée encore. Et l'ONG, le Forum, m'a invitée. Et quand vous parlez de vous ne vous êtes pas entendu parce que les téléspectateurs étaient, non, sont nombreux, entendu. Ceux-là, qui moi, vous ont pas entendu. Parce que je leur ai dit, je ne suis ni pasteur, ni voyante, ni ganga. Je suis l'envoyée du Très-Haut et de mes ancêtres. Et je disais ceci. Quand je soigne les gens, je dis chaque dimanche, je suis allé à l'église. Priez pour vous et pour vos enfants. L'église catholique, protestante, musulmane, ce sont des bonnes églises. Quand je dis cela, là, il écoutait autrement. Il m'écoutait autrement. Je dis, mais je ne dois pas mentir. Je ne dois pas mentir. Dans ma mission, je ne dois pas mentir. C'est comme si on ne se comprenait pas. Mm-hmm. Puis, je dis, non, ça ne vaut pas la peine, je vais moi retourner. En fait, vous n'êtes pas dans le faux. Non, non, je ne fais pas le faux. Vous n'êtes je pas dans l'escroquerie. Je ne veux pas me placer parmi des pasteurs pour que quelqu'un passe derrière moi pour tromper les gens. Mm-hmm. Et cette fois-ci, c'est le vrai parce qu'une femme n'a même jamais été au stade. Je m'en vais au stade de l'OMI. Vous appelez quoi le lieu? Au complexe scolaire de l'OMI. Ouais, voilà. À Libreville, Gabon. Mm-hmm. Je serai là le 28, le 29, le 30. Ça va bouger. Tout le monde. Ça va bouger à Olomi. Tous les Congolais, tous les Togolais, tous les tribus qui viennent vivre ça en direct. Donc, on va voir rapidement la reine des montagnes, le travail qu'elle fait et le travail qu'elle a toujours fait sur le terrain. Nous allons en parler maintenant. Comment ça se passe lorsque les gens viennent vous rencontrer? Quand les gens viennent, je demande les analyses de l'hôpital. Mmh. C'est ça qui ne... Moi, je ne m'attendais pas avec le monsieur pour ça. Mmh. Mais je prends du temps pour consulter le malade. La consultation, pour moi, c'est le dialogue. Vous souffrez de quoi? Moi, je n'ai pas des feuilles, les colis pour jeter et imaginer des choses où c'est telle personne qui t'a fait ça, où c'est ceci qui a fait cela. Je ne suis pas là pour détruire la famille. Comme à l'hôpital. Je suis là pour mettre la paix. C'est un dialogue. Mmh. Vous souffrez de quoi? Combien de temps le mal a duré? Et j'entends la voix lointaine qui me dit, c'est ton patient. Ce mal qui te présente, c'est mystique. Où ça pique, ça chauffe, ça me gratte là. Depuis là, je n'ai pas de mari. Je dors, je vois toujours les maris de nuit qui me font des couches de nuit. Alors, je m'interviens directement. Parfois, c'est action-réaction, hein, monsieur. Donc, c'est sur place. Donc, on peut dire que du 28 au 30, oui, au gymnase d'Olomi, oui, les gens auront la possibilité de vous rencontrer. Tous les tribus. Et ceux qui veulent, par exemple, vous voir en privé. Qui ne manqueront pas. Il y a mon numéro de téléphone. Je ne refuse pas qu'on ne me voit pas en privé. Même de m'inviter, je ne refuse pas. Alors, vous êtes venu avec une dame qui était malade, mm-hmm, et qui vient pour témoigner de la grandeur de ce que Dieu fait à travers vous. Nous allons pouvoir l'inviter et la recevoir sur notre plateau. Madame, vous avez la possibilité d'avancer à l'accoutumée. Je reçois toujours mes invités. On va applaudir pour la soutenir. Bonsoir et soyez la bienvenue. Vous allez pouvoir vous asseoir à côté de l'ambassadrice Fée. On va prendre votre témoignage à chaud. Comment avez-vous entendu parler de l'arrivée de Sa Majesté, la Reine des Montagnes, et votre miracle s'est produit comment? Mettez le micro. Voilà. Dites-nous la vérité.
et rien que la vérité. Ici, présentement, je ne peux pas parler des choses inventées. D'accord. Je dirais rien que la vérité. La vérité. Sur ce plateau, non, sur ce plateau, c'est la vérité, madame. Oui, oui. La vérité. Voilà. On est d'accord. Je souffre. Souffrais. Je souffrais. D'accord. Comme pour moi. Je souffrais depuis. Je souffrais dans ma vie depuis 2002. Mm-hmm. J'avais perdu ma maman, la petite sœur de ma mère. Elle était décédée. Et c'est comme ça. À cette époque-là, on ne pouvait pas l'amener à l'hôpital comme aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que la grande sœur de ma mère avait porté mon sous-vêtement, mon slip, à ma défunte mère, la petite sœur de ma mère qui était décédée. En ce moment, à ce temps, j'avais 22 ans en 2002. J'étais pas encore, je ne savais pas qu'est-ce qui s'est passé, je ne savais pas les réalités de la vie, je ne savais pas que telle chose pouvait causer des dégâts. Ou comme si donc je ne connaissais rien en un mot. La grande sœur de ma mère, la petite sœur de ma mère est décédée. C'est comme ça que la petite sœur de ma mère et la grande sœur de ma mère l'avait étalée au sol. Elle a commencé à lui baigner, lui laver, et à la suite elle lui avait mis sa robe. Elle lui avait porté sa robe. Elle avait fouillé, elle a trouvé mon sous-vêtement. Elle a porté mon sous-vêtement à la défunte, petite soeur de ma mère, qui était décédée. J'étais là, j'étais présente, mais je ne savais pas que ça devait avoir de l'impact. C'est comme ça que le temps est passé, on l'a enterré. Le temps passe, les années passent. Je vivais le calvaire. Le calvaire, là, c'était à peu près quoi? J'avais un esprit, un esprit de Marie de nuit. D'accord. Qui dormait, qui était à mes côtés, qui dormait sur moi. Vous le ressentiez? Je le ressentais, oui, à tout moment. La nuit, quand la nuit tombait, j'avais parfois des inquiétudes. La nuit va encore tomber. Comment je vais encore dormir? Comment? Je suis une mère de 3 enfants. Je suis une femme gabonaise, mère de 3 enfants. Et vos enfants sont là, ils vous suivent en ce moment? Oui, mes enfants sont là. La première à 24 ans, le deuxième à 22 ans, et le troisième à 20 ans aujourd'hui, ce jeudi 19. Et après, vous avez rencontré la reine et après, des montagnes. J'ai rencontré la reine des montagnes au charbonnage. Mm-hmm. Pendant ce temps, je cherchais toujours ma vie. Je cherchais toujours à trouver la santé à ma vie. J'ai dépensé de l'argent chez les gangas, les prophètes, par-ci, par-là. J'avais trouvé la guérison. Le mardi d'avant-hier, aujourd'hui nous sommes jeudi, j'étais là au charbonnage, là où j'ai pour l'habitude de vendre. Je fais mon commerce au carnaval, au charbonnage. C'est comme ça que j'ai rencontré la reine des montagnes. Elle était nette à la boulangerie. Elle s'adressait, elle parlait avec une maman. C'est comme ça que je me suis rapprochée d'elle. D'où elle a commencé à guérir la maman là. En live. En live. Devant les gens, sans devant un culte. Gens, oui. Elle a commencé à guérir la maman là. Elle a étendu sa main sur la maman en question et son pied. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à guérir. Les gens se sont intéressés. La foule, les gens sont venus, nombreux, les femmes. Elle nous a fait comprendre que non, ici, je ne peux pas vous recevoir parce que je viens à peine d'arriver. Et comment ça s'est passé pour vous? Pour moi, c'est comme ça que je me suis intéressée. Quand je me suis intéressée dans la foule, c'est comme ça que je voyais la lumière en elle sur ses mains. Quand elle étendait sa main, la lumière. Et dans ses mains, ses deux paumes, ses deux mains, il y avait deux mains qui se présentaient. Donc quand elle étendait la main, ses mains, il y avait une deuxième main qui sortait en elle. Et sur son visage, il y avait... Vous dites la vérité, c'est pas des mensonges. J'ai dit la vérité, rien que la vérité.
C'est ce qui me fait arriver. Je ne peux pas venir raconter le mensonge. Parce que j'ai vécu le calvaire. Alors, durant toute une vie. Et aujourd'hui, lorsque vous partez dormir. Aujourd'hui, la dame, comment dire, elle nous a amené, elle nous a dit, venez, parce que ici, je ne peux pas, chacun ne peut pas me dire son problème. Nous, on lui a suivi, c'est comme ça que elle a commencé, chacun à expliquer son problème. Elle a étendu sa main sur moi, rien que la main, et elle m'a fait boire de l'eau. Et dans l'eau qu'elle m'a fait boire, il y avait la lumière. Il y avait la lumière et les étoiles. Elle m'a fait boire l'eau. C'est comme ça que quand elle a étendu sa main, elle m'a étendu aussi son pied. Quand je suis parti chez moi, je n'ai plus vu, je n'ai plus rien vu. L'homme qui dormait sur moi, parce qu'il y avait un homme qui empouait, un homme qui dormait sur moi. D'où un moment, quand je voulais parler, je ne pouvais pas parler. Je pouvais, là où je pouvais ouvrir les yeux. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Alors, seulement FNG, que quand la personne qui me libérait, qui était sur moi, c'est là où je pouvais parler. C'est des choses réelles. C'est là où je qu'est-ce pouvais que, parler. Qu'est-ce que tu en penses? Et depuis là, jusqu'à présent, je ne ressens plus rien. Ben, quand je l'entends parler, je pense que... Je ne ressens plus rien. Je pense rien. Que la reine des montagnes est assez forte spirituellement. Et l'être humain est capable de tout faire. Donc c'est une puissance que moi, je ne peux pas douter. Voilà quoi. Téléspectateur qui dit... Bonsoir, la reine des montagnes. Comment faire pour voir de manière individuelle la reine de montagne? Bonjour, bonsoir, je suis à Tshibanga. Je voulais le numéro de la reine des montagnes. S'il vous plaît, c'est en SMS. Bonsoir, s'il vous plaît. L'artiste s'appelle comment? Il s'appelle FANJ. Et la dame, elle fait des délivrances, évidemment. Vous avez déjà vous-même répondu. Bonsoir, la reine des montagnes peut consulter en direct. Nous sommes pratiquement au terme de l'émission, donc ce n'est pas possible. Un contact vous sera donné à la fin. Bonsoir, le buzz en or, pouvez-vous réitérer le numéro de téléphone de la reine, s'il vous plaît? Merci. Ça sera fait tout à l'heure. Alors, reine des montagnes, nous sommes pratiquement au terme de notre émission. Avec un tel témoignage, qu'est-ce que vous avez la possibilité de dire aux téléspectateurs qui sont en train de nous suivre? Vous avez une caméra en face de vous, vous vous adressez solennellement aux téléspectateurs pour le programme du 28 au 30 janvier de ce mois au complexe sportif d'Olumi de Libreville. Ça sera un très grand programme de guérison et de miracles. Même pas de guérison, même pas de miracles, de guérison totale. Parce que ce n'est pas moi qui guéris, il y a une force dans moi. Il faut que beaucoup viennent nombreux. L'entrée d'ailleurs, c'est gratuite. L'entrée, je répète bien, l'entrée, c'est gratuite. Beaucoup viennent découvrir. Trop parler, ce n'est pas bien. Ils viennent découvrir ce qui est dans moi depuis fort longtemps. Je guéris. Venez avec la foi, venez nombreuses. J'invite tout le monde. Venez nombreux pour découvrir qui est la reine des montagnes. Ce n'est pas moi à donner mon nom, c'est vous qui allez me donner mon nom. On parle de stérilité, d'envoûtement, de douleur, lambert, de fibromes, de rêves nocturnes, de mari de nuit ou de femme, de mal de pied, de mal des yeux, etc. Et ce grand programme se tiendra du 28 au 30 au complexe sportif d'Olumi. Vous avez la possibilité d'avoir deux contacts très rapidement. 062 74 83 14, je reprends, le 062 74 83 14 et le 077 26 47 66. Le 077 26 47, 66. Alors, Majesté. Monsieur, oh là là. Excellence. Monsieur Excellence. Vous-même, je peux vous guérir, hein, tout de suite, si vous voulez, je peux enlever les lunettes. Hein. C'est action, réaction. Si ouais. Vous voyez un peu flou, je touche là, à l'instant, vous allez voir clair. Ça c'est le live. Donc, regardez. Moi, je suis l'excellence. Oh. On ne fait pas les choses là en direct parce que après quelqu'un va dire « Oh non, tu étais comme ça là. Non, nous, on te connaît. » Non, ne vous en faites pas. Moi, je reçois pour moi sur le plateau en direct FNG, la maman ici. Elle va recevoir pour elle
tous qui sont de l'autre côté également vont recevoir pour eux. Alors, FANJ, aujourd'hui... Madame, ne manque pas, je ne vous coupe pas la parole, monsieur excellent. Et pour l'eau, l'eau vient des montagnes du Cameroun. Deux minutes rapidement pour conclure. L'eau vient des montagnes du Cameroun. Ce n'est pas une eau qu'on puise sur le robinet pour donner aux malades. Mais je suis venue avec une bonne quantité d'eau. D'accord. Ça sort sur les montagnes de l'Ouest. C'est payant, c'est gratuit? Non, l'eau serait payante. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il faut mais en fait, on va enlever l'expression. L'entrée serait gratuite. On va enlever l'expression serait... payante, mais plutôt offrande. Oui, parce que c'est important, parce que les gens aiment toujours. Oh, Dieu a donné gratuitement, comment non, il faut payer? Mais les gens payer, sont aussi. Pour payer la maison, mais... pour payer ceux qui vont venir, le stade était à payer, les entrées, faites venir l'eau, c'est pas avec les cailloux, chacun mange. Mais voilà, c'est ce qui. C'est un FNJ, pardon. Il faut, quand même, il faut quand même. C'est toi la star ce soir-là sur le plateau. C'est toi que les gens écoutent sur le plateau, là, c'est toi l'or. C'est l'opportunité que les gens découvrent d'abord, c'est déjà bon. L'eau, 1,5 litre sera à 5 000 francs. Ça, je vous le dis, c'est l'eau, c'est sur place. Non, j'ai, maman, j'ai les vu enfants les effets. Qui ne parlent pas, ils sont nés sans parler. Et les enfants qui sont nés sans parler ne peuvent pas parler. Mais ils ont parlé avant qu'on a fermé la bouche. Sur place, ils parlent. Très bien. Ça veut dire quoi? Je vous l'explique très tranquillement. Nous allons nous lever parce que nous sommes au terme de l'émission. FANJ va nous faire un mouvement tout à l'heure. Oui, on va se lever tous ensemble pour la fin de cette émission. Mais je voudrais traduire. Oh là là, c'est ça mon mouvement. C'est ça mon mouvement. Donc, je voulais, oui, c'est ça mon mouvement. Je voulais, oui, je voulais vous traduire. Oui, oui, c'est pas grave. Je voulais vous traduire très rapidement ce qu'elle venait de dire. Un enfant qui ne parle pas depuis la naissance, c'est différent d'un enfant qui a déjà parlé. Voilà. OK. Donc, venez, vous savez, vous avez tonton, vous avez collègue, vous avez ami. L'enfant a parlé quand il est né. Après... mystiquement, on a fermé sa bouche pour question, je ne sais pas trop. Venez avec cet enfant du 28 au 30 au complexe Olumi là-bas. Hein? Allez-y. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu, j'ai vu. Vous aussi, venez voir. J'ai vu tout à l'heure, là, même sur la voie, il y a eu des choses. Donc, vous aussi, venez hein, après l'émission au 062 74 83 14 0 77 26 47 66. Appelez déjà pour prendre les rendez-vous. Vous savez, ce genre de choses-là, c'est compliqué quand vous n'avez pas de rendez-vous. Hein? C'est une foule et parfois, vous allez quitter là pour dire oh, c'est des menteurs, je suis parti. Il y en aura près de 2000 personnes au gymnase. Mon frère, ma soeur, prends déjà le rendez-vous pour qu'elles te reçoivent même en VIP parce qu'il y a à nos côtés. VIP. Alors, FANJ, aujourd'hui, c'était un plaisir pour nous d'être avec une grande dame. Oui, la reine des montagnes. Des montagnes. Franchement, je suis ravi. Déjà que c'est toujours bien qu'un être humain au service d'un être humain. Il n'y a que comme ça qu'on peut guérir les gens. Donc moi, j'y crois à 100%. J'y crois à 100% parce que un être humain est capable de tout faire. Donc moi... J'utilise ça. Voilà, chers téléspectateurs, au thème de notre émission, c'était FANJ tout à l'heure qui avait une belle petite conclusion. Un être humain, hein, quand Dieu passe par là, c'est compliqué. Hein, mais c'est pas facile de reconnaître. Et nous, on reconnaît ce soir notre artiste gabonais international. Lui, c'est FANJ et c'est ta maison. Nous te réinvitons autant de fois que tu voudras. Sagat, viens rapidement pour notre buzz de la fin. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme. On vous salue. On salue Tiffen depuis Port-Gentil, Naël. On salue les Tibarages. On salue la team des charbonnages. Je salue Maël Kimi qui m'embête depuis là. Je salue Smith Power.